grâce à l'appui du Conseil Général, bien sûr, et pour l'utilisation sur la station de la SEM des Cimes, ici et sur toutes les stations du Mercantour, bien sûr, on va pouvoir utiliser cette année, pour nos amis handicapés, le tandem ski. Alors, ce n'est pas un gros problème pour nos amis, il suffit qu'ils s'installent dedans, et ensuite, on fait du ski avec eux. L'idée, c'est vraiment de faire du ski ensemble avec nos amis handicapés, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du ski debout ou assis par leurs propres moyens. Toute la semaine dernière, j'ai eu une petite Sarah, elle s'est régalée. Alors nous, ce que je te propose, c'est d'essayer le fauteuil. Moi, je vais me mettre à la place du jeune handicapé ou de l'adulte handicapé qui peut en profiter. Et on va aller faire un tour sur Comgros. Donc c'est réglable, suivant la taille de la personne, tu règles, il y a des sangles. Absolument, l'handicapé, voilà. Lui, il sera dans une couverture là qu'on n'a pas pris aujourd'hui, parce qu'avec ce beau soleil sur les stations du Mercantour, on n'en a pas besoin. Il sera sanglé, comme dans un siège baquet d'automobile. Et ensuite, vous allez voir que c'est vraiment du ski. C'est vraiment du plaisir, autant pour le moniteur ou la personne qui est derrière, que pour la personne qui est assise. Et ensuite, on expliquera un petit peu, après avoir fait quelques virages, comment ça fonctionne sur la station. Vous avez vu qu'on a skié sur cette piste facile sans aucun problème. Je lui dis qu'il va piloter. Et on va maintenant faire la manipulation pour monter au télésiège. Cet engin peut monter soit sur les télésièges à 6 places, à 2 places. Évidemment, les télésièges modernes sont mieux adaptés. Et dans les cabines, là, il faudra une cabine adaptée, mais qui nous est promise, bien sûr, par la SEM des Cimes. Donc, Julie va faire la manipulation. 4 petits éléments. D'abord, bloquer la latéralité. Il ne faut pas que la personne qui est assise dans le fauteuil risque de basculer. Donc on a un petit élément qui nous permet de stabiliser le fauteuil. Ça, c'est la première chose. Et notre amie qui fait du ski avec nous est en toute sécurité. Deuxième chose, elle va décrocher la longe, parce qu'en permanence, le moniteur ou le pilote est attaché au fauteuil. Décrocher la longe et l'accrocher sur le guidon pour pas que cette longe, qui a en même temps un effet de frein en cas d'urgence, puisse déclencher le frein en cas de manœuvre incontrôlée. Troisième chose, elle va baisser son guidon pour pouvoir par la suite baisser le garde-corps sur le télésiège. Et quatrième chose, et c'est ça le plus important, pouvoir relever le fauteuil pour que le siège puisse passer sous le fauteuil et être embarqué comme toute personne normale sur un télésiège, celui de Comgros en l'occurrence aujourd'hui. À toi Julie. Donc là, ça va demander simplement un ralentissement de l'appareil et pas du tout un arrêt. Voilà, un léger ralentissement de l'appareil. Allez. Et voilà.
on baisse le garde-corps. Et comme vous avez pu le constater, on n'a pas freiné le flux des skieurs. Là, ça, c'est important aussi. Ça veut dire que les gens font du ski. Et comme tout le monde, on a simplement demandé un petit ralentissement. Et les gens savent le faire. Alors maintenant, Pascal, si tu veux bien, on va expliquer un peu la disposition de ces fauteuils. Ces fauteuils ont été mis à... Ce tandem ski, en fait, hein, c'est le nom exact, a été mis à disposition dans les stations du Mercantour par le Conseil Général. Donc on en trouve ici à Azuela 2000, on en trouve à Rouen, on en trouve dans d'autres stations des Alpes-Maritimes, bien sûr. Pour utiliser ces fauteuils, eh bien, il faut avoir une petite formation. Alors cette petite formation, elle est ouverte à tous, bien sûr. Pour les professionnels comme Julie et moi qui l'avons ici, qui avons passé ce permis, puisqu'il faut un permis, ça a duré 5 jours. Pour les autres personnes qui ne sont pas des professionnels du ski, ça va durer 10 jours. Et c'est accessible à tout le monde. La mise à disposition de ces fauteuils, elle est gratuite. Il suffit de s'inscrire sur un site. Une fois qu'on a le permis, on a un accès à un site. Et on peut s'inscrire pour les réserver. Et ces fauteuils, ils sont stockés au départ de la télécabine du Mercantour. Voilà, c'est tout. Et ensuite, l'accès au domaine, l'accès au ski, au plaisir, c'est pour tout le monde, bien sûr. Vous avez vu déjà dans la partie la plus facile de la station qu'on a déjà quelques sensations de glisse et de courbe. Vous allez voir que dès qu'on sera arrivé en haut, on va pouvoir prendre la piste de Belvédère et on peut aller partout. La personne qui nous a offert cette formation, qui nous a préparé à cette conduite, c'est un guide de Chamonix qui a fait lui la Vallée Blanche avec un ami handicapé et ça s'est très bien passé aussi. Donc l'accès, il est vraiment, je dirais, partout, toutes les pistes sont accessibles, il vous manque la remontée mécanique, s'y prête. Alors voilà, on va profiter du joli paysage. Imaginez-vous aussi que les personnes qu'on amène là, c'est vraiment très rare qu'on puisse les retrouver en haut d'une montagne, qu'on puisse les retrouver dans ce décor. Pour nous, bien sûr, c'est très facile, hein, on est là tous les jours, ou pour les gens, pour les valides qui ont la chance de pouvoir faire du ski. Pour ces personnes handicapées, c'est quand même assez rare et déjà ce plaisir-là, je vous promets qu'on le ressent et que ça fait vraiment chaud au cœur. Tu vois, ça se fait très bien. Ouais. Pour pouvoir d'abord remettre le skieur handicapé dans la position basse et là, on a stabilisé l'affaire et ensuite on refait toutes les petites manipulations à l'inverse et ensuite on va pouvoir partir sur la piste du Belvédère. Et voilà, le fauteuil est déjà prêt à partir. Alors une dernière chose importante... Évidemment, d'habitude, elle le fait avec la personne dessus, avec ça, faut le préciser. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de bouger la personne qui, elle, est sanglée, qui est dans une couverture, qui est vraiment très, très bien installée et à qui on peut offrir le confort maximum. Mais une chose importante aussi, c'est que grâce à cet appareil, maintenant, les familles qui ont une personne handicapée dans la famille, souvent un jeune enfant, peuvent monter dans nos stations et faire du ski en famille. Et ça, c'est très important. C'était le cas cette semaine. La petite Sarah avait un frère, un cousin. Tout le monde est venu et on a fait du ski tous ensemble, tous les après-midi. Vous voyez l'intérêt aussi de ce genre d'appareil. On y va ? Allez.
qu'est-ce que t'en penses? Mais même pour le pilote, c'est des super sensations et c'est un vrai partage avec la personne handicapée qui est dans le fauteuil. Oui, parce qu'en te voyant piloter ça, ça a l'air agréable. C'est super sympa. Complètement différent du ski, mais très sympa. Ok. Pour nous, hein, à piloter. Bon, ben voilà, à bientôt sur les pistes alors. À présent, un petit film fait par les jeunes d'Isola 2000. C'est bon, mais wow, fais donc. Quel niveau soleil. Écrasé. Oh, fais gaffe. T'as eu chaud aux fesses. Brand new, feel my own self, damn, I'm a fan too. Started with a dream, then all of it came true. Now the only thing I know is there's nothing I can't do. You're now rocking with the best. You're now rocking with the best. Rocking with the best. You're now rocking with the best. Rocking with the best. You're now rocking with the best. Yeah. Know the repertoire, this ain't nothing different. Spill rhymes like oil, you know you slipping. No sipping round these bars, MCs all coming at me, but ain't even in my radar. We face off like John Travolta and Nick Cage. Please, been doing it, this is sixth grade. I just spray, and then they start running. Similar to this track, them words start humming. Straight for your dome piece, and basketball was like rhyme. Yuki! Tiens, Isole, tu peux me filmer, s'il te plaît? D'accord! Merci, Lucas!